Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 24 et 25 de notre Star Trek Enterprise. Alors, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Allez, on est parti. Alors, pour le numéro 24, on va continuer la structure donc de cette tête de cobra. Donc, c'est bien officiel, je continue à l'appeler la tête de cobra. Donc ici, on va mettre une première partie de la structure au niveau du cou. On va l'appeler le cou du cobra. Et on va assembler un panneau que voici, hop, avec un petit essai, une mise en place et tout ce qui va bien. Pour le numéro 25, eh bien, on continue nos panneaux. Donc un autre panneau, une autre section de cette coupole. Hop, une mise en place et un petit essai, comme on peut le voir ici. Et on va aussi, on va continuer donc la structure du cou du cobra. Donc on va mettre la deuxième partie ici, poser notre LED. Et puis ce sera tout. Oui, tout à fait, ce sera tout. Voilà. Allez, on va pas regarder les pièces, on va passer directement au montage du 24. Exécution. Alors, en étape 1, on vient prendre donc notre structure qui est ici, qui risque pas de s'en aller, je vous assure, dans le transport. Parce que ça tient vraiment bien. Voilà. Donc, voici notre structure. Donc, hop, elle va comme ceci. Comme petit repère, vous avez l'espèce de petite butée qui vient ici. Donc ensuite, on va venir la positionner. Donc à cet endroit-là, on a trois trous qui correspondent aux trois trous qui sont ici. Donc 1, 2 et 3, si je comprends bien. Oui, ça doit être ça. Donc on la positionne. Hop, elle vient comme ceci. Donc ça vient... ouais, non, ça va. Ça se pose bien. Ça se pose bien. Et on va fixer le tout avec des vis BM, trois vis BM. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir donc à cet endroit ici là pour mettre une vis FM. Voici qui est fait. Donc hop, voici ce que ça peut donner. Donc notre armature est déjà en place de ce côté-là. Allez, hop, on va mettre ça de côté. En étape B, on vient récupérer une partie donc du panneau. Enfin le panneau. Celui-là, il est en métal. On vient le positionner devant nous comme ceci et on va installer donc les nacelles plus les petits hublots. Bon, comme d'habitude, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici les petits détails d'installer. Ensuite, on va venir récupérer donc cette plaque-ci. Alors, je vais regarder pour pas dire de bêtises. Ouais, donc la plaque qui est marquée U104A1, on vient la positionner comme ceci par-dessus.
Et on va prendre donc le câble avec les deux LED que voici. On va séparer nos LED. On va mettre la LED avec le fil jaune et noir sur la droite, en haut à droite, comme ceci. Et c'est tout. C'est tout au niveau des LED. Ensuite, on vient récupérer les vis EM et on va positionner nos quatre vis, donc ici, ici, ici et ici. Donc, l'étape suivante consiste tout simplement à mettre le panneau à côté, donc le U104A, et de mettre la LED rouge avec les fils rouge et bleu en bas à gauche et le câble avec la LED rouge et gris en haut à droite. On serre le tout. Voilà. Et nous avons notre aspect que voici. On va faire un petit essai avant de le monter sur notre structure. Alors, hop. Normalement, on devrait bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voici. Même avec un peu de lumière, là pour le coup, on voit bien ce que ça donne. Très, très sympa. Allez, l'essai est terminé. On va déconnecter l'ensemble. Et on va passer à la suite du montage. Donc, en premier lieu, donc, cette LED là qui se retrouve au milieu du panneau, apparemment, il faut la glisser hop, entre les deux. Entre les deux plaques de façon à ce qu'elle fasse pas d'épaisseur. Et celle-ci, je sais pas s'il faut la relever ou pas. On va voir juste après. Donc, alors, étape suivante, on va venir mettre ça de côté pour faire un peu de place. On va prendre notre couple que voici. Donc, du coup, on va dézoomer un petit peu. Hop. Alors, ça va se situer de ce côté-ci. Alors, on va prendre notre panneau fraîchement fait. On va le passer ce câble-là. On va zoomer quand même un petit peu. Sinon, ça va pas être terrible. Hop, on va venir comme ça. Voilà, parfait. Donc, dans ce carré-là, on va passer notre câble à l'intérieur. Et le câble rouge et gris, on va le passer dans ce carré-là. Comme ceci. Hop. Donc, on passe les deux. Alors, on va voir si cette fois-ci, on va être bien. Donc, ici, il y a trois petites dents qu'il faut venir enclencher dans les panneaux inférieurs. Voilà, alors là, bien sûr, ça force un peu. Ah, l'histoire des connexions de câbles, hein, c'est pas terrible. Donc là, je vais plier celui-là vraiment à 90 degrés pour voir si ça rentre mieux. Hop, on va retourner le tout. On verra mieux ce qui se passe parce que là ça a l'air de coincer un petit peu. Donc oui, en fait c'est mon câble ici. Il faut que je fasse ressortir. C'est vraiment, je trouve que
là-dessus, au niveau des connexions, des câbles et tout ça, c'est vraiment pas très très bien étudié. Enfin, je trouve pas ça terrible. Je pense qu'il y avait d'autres solutions que celle-ci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va juste mettre deux vis BM, donc une ici et une ici. Pas évident, hein, fixer ces panneaux. Donc, bah voilà, là j'ai un décalage, je me demande pourquoi. Donc là, vous voyez, là je suis pas vraiment bon. Donc voilà, mon petit écart a été corrigé. Bah en fait, il a fallu que je démonte les deux le panneau d'à côté pour pouvoir bien l'enquiller le nouveau panneau. Ouais, c'est franchement galère, mais enfin bon, voilà, là. On a un truc bien lisse. Allez, bah ça c'était la dernière étape de notre numéro 24 et on va passer tout de suite aux pièces du numéro 25. Donc voici les pièces pour notre numéro 25. Nous avons la deuxième partie de notre coup de cobra. Un câble avec de LED, le panneau, un petit panneau. Que voici la plaque du dessous, les détails avec les nacelles de secours, les hublots, et nous avons des vis DP, AM, BP, BM et FM. Allez, on est parti pour la première étape de ce montage qui est ni plus ni moins. Ben on va installer comme d'habitude hein, nos petits hublots et les nacelles de secours. Allez. On fait ça, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc voici, les hublots sont installés, les nacelles de sauvetage aussi. On prend notre plaque, donc je vais liser à l'envers, à l'endroit, ce serait mieux. U307A. On vient la placer par-dessus, alors délicatement afin de pas faire bouger les détails, sinon tout est recommencé. Voilà, on va venir la maintenir avec le doigt comme ceci, et voilà ce que je voulais pas faire, je suis bon pour tout recommencer. Voilà, bon, c'est rétabli. Alors on place la LED avec les fils jaune et blanc en haut à gauche. Comme ceci. Et la LED avec le fil noir et jaune, noir et rouge, de l'autre côté. Voilà, et ensuite, donc à cet endroit, on met des vis BP, trois vis BP. Voici qui est fait. Donc, je vais juste vérifier que rien n'a bougé. Non, c'est bon. On est OK. Alors, en étape B, alors, on va refaire de la place. Donc, on prend notre coupole. Donc, on passe le bout du câble à cet endroit. On ressort la LED rouge et noire pour qu'elle vienne à côté, comme ceci, d'après ce que j'ai compris. Et on vient positionner notre panneau comme ceci. Donc de chaque côté, une fois qu'on a retourné notre coupole, de chaque côté, ici et ici, on met des vis DP.
Donc voici qui est fait et on va venir replacer notre LED avec les fils noirs et rouges à son emplacement. Donc il va falloir peut-être dévisser un petit peu, je pense, puisque maintenant, c'est bien ce que je craignais. Voilà, on place notre LED. Et on va resserrer le tout. Voilà. Allez, on va retourner notre coupole. Comme ceci. Voilà, donc notre aspect du dessus. On va récupérer le câble. Et on va faire un petit test. Bon, on va connecter notre LED. On va mettre le boîtier à pile. Je vais peut-être éteindre mon projecteur. Donc voici ce que ça donne. Donc ceux-là sont assez légers au niveau lumière. Mais bon, ça rend pas mal quand même. Alors, étape suivante, on va prendre notre tête de cobra. On va venir prendre notre pièce que voici. Et on va la positionner donc à l'opposé comme de l'autre. Alors, avant toute chose, on récupère cette LED là, donc le câble noir, vert et jaune. On vient la placer donc à cet endroit là. On a l'emplacement pour notre LED. Hop, on positionne ça comme ceci et on vient. Alors là, avec tous les câbles. Ça va pas être évident. Donc voici la LED et à l'intérieur. Donc tout compte fait, les câbles, toute cette partie-là de câbles vont à l'intérieur. Ça passe sans problème. Je me demande même si cela, j'aurais pas mieux fait de les passer aussi à l'intérieur. Bon, je le ferai après. Alors, étape suivante, et bah, tout simplement, on va venir mettre trois vis BM à cet endroit. Et donc, à cet endroit, on va mettre une vis FM. Et donc, pour finir, alors avant de placer ici une vis AM, moi je vais faire passer mes câbles à l'intérieur et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait passer mes câbles à l'intérieur, c'est un peu mieux, même pour pouvoir les ranger après. Ça permet de les mettre à l'intérieur de notre coup. Ensuite, on va prendre une vis AM. Et donc, on va la positionner à cet endroit pour venir resserrer le tout. Voilà.
Et donc voici l'aspect de notre tête de cobra. Hein. Ouais. Ça ressemble vraiment à une tête de cobra. Voilà. Donc on a notre structure ici de positionner au niveau du cou. Et on va avoir sur les numéros suivants tout l'habillage ici à réaliser. Voilà. Et donc ce sera tout pour ce numéro 25. Assez galère quand même hein, ces panneaux hein, à installer. Je dirais pas que c'est un modèle facile à monter comme on voit sur certaines pubs. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.